Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, toute première pour moi, ce sera une vidéo tuto. Comme vous savez, j'avais été contactée par le site Bibicraft, que je vous avais fait un unboxing. Et alors, ils m'ont demandé de faire deux tutos. Mais j'ai pas trop eu le temps à ce moment-ci. Il faut dire aussi que je ne savais pas quoi faire. Donc, je vais vous présenter un truc tout simple. Donc, je vais utiliser... attendez, je vais sortir pour vous montrer. Je vais utiliser la corde que j'avais eue dans mon colis. Et ainsi que les perles qui sont ici. Alors, je vais utiliser aussi des toutes petites perles et des lettres. Je ne pense pas qu'ils soient sur le site. Ça, je ne sais pas, parce que ça, c'est à moi. Donc, les perles ici et ça sont sur le site. Donc, ça va être un... Comment, je ne sais pas comment appeler ça. Un bijou de sac, un porte-clés. Vous allez voir ce que c'est. Mais c'est un truc tout facile. C'est tout facile. Ouais, tout facile. Mais c'est facile. Alors, vous prenez un morceau. Moi ici j'ai fait un nœud au bout. Alors ce petit morceau là, il faudra le brûler, le couper. Non, décidément, le couper puis le brûler. Mais ici j'ai pas pris de briques avec moi. Donc je vais commencer par enfiler. Maintenant moi je fais comme ça, mais c'est au choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi je vais mettre 5 perles, 3, 4, 5, voilà, ça c'est des petites perles, genre des perles de rocaille, voilà, puis je vais prendre ma première lettre, que je range. Alors ici je vais prendre une perle, hop, le seul problème c'est que, des fois, pour rentrer la perle, c'est pas facile. Donc, je reprends une perle. Moi, je ne sais pas si je vais faire toute la même couleur ou si je fais avec des couleurs différentes. Je pense que je vais faire avec des couleurs différentes. On va voir ce que ça va donner avec des couleurs différentes. Je crois que je vais terminer avec les mauves clairs et les mauves foncés. Ça qui est ennuyant, c'est quand il faut rentrer les perles. J'espère à part ça que vous allez bien. J'espère que vous voyez bien aussi. Désolé, mais c'est mon premier tuto. Normalement, sur ma chaîne, je ne fais pas de tuto. Mais bon, quand on a un partenariat, il faut bien respecter les conditions. Tant moi après on est mal vu, mais bon. Et ici, oui, je traite parce qu'il y a des perles que j'arrive pas à rentrer. Pourtant j'ai déjà des lunettes, hein, donc décidément il y a rien qui rentre. Hein. J'ai mis un petit poids de colle au bout pour avoir plus facile. Ah, voilà. Autrement, je disais, je referai un tuto d'un autre tuto avec toujours avec les cordes. Parce que je n'ai que ça en fait. J'ai demandé les cordes. J'ai demandé les cordes et les perles. Les perles, les fils là et les perles qui sont là, ce n'est pas de chez eux. Et j'avais demandé aussi un kit pour faire des boucles d'oreilles. On attraperait.
Mais seulement, je galère avec des genres de clous, comme on appelle. Je plie, je mets les clous, je les plie. Et c'est mal plié, donc j'ai quasi cassé tous les clous. Donc il va falloir que... Attendez, voilà. Il va falloir que je rachète des clous. Donc c'est un peu galère. Bon. Et ici, je remets les dernières. C'est un petit tuto tout simple. Ça, vous pouvez en faire accrocher ça sur un porte-clés. Ou ce que j'ai fait, ou ce qu'il y a la genre de boucle à le nœud, vous l'accrochez directement au nœud. Au nœud. Vous l'accrochez ceci, ici. Où est-ce que je suis? Je ne vois rien. Où est-ce que la caméra là? Ça, vous l'accrochez directement à l'anneau. Vous pouvez en faire plusieurs et tous les accrocher ensemble. Je regarde si je ne me suis pas trompé dans le nom. Et si, je me suis trompé. Bon, je vous mets sur pause, je vous reprends après. Me revoici. C'est parce que, comme vous voyez, j'ai fait. Je vais vous montrer comme ceci. J'ai fait ceci. Voilà. J'ai l'impression qu'on voit mal. Bizarre. Je sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers parce que je n'y vois rien. En fait, c'est marqué mini, mais seulement j'avais mis des lettres à l'envers, donc c'était un peu moche, donc j'ai dû recommencer. Donc voilà. Une fois que c'est fini, hop, on va faire un nœud. Je suis pas très forte, je pourrais. Pour faire les nœuds. Non, pas comme ça. Surtout pour faire les nœuds, que ce soit vraiment bien serré. Je vais y arriver. Bien qu'il y ait une astuce pour faire les nœuds vraiment bien serrés sur le bas. Oui, bon, là j'ai pris la perle avec. Décidément, je galère, hein. Voilà. Voilà, vous voyez? Alors après ça, vous coupez, vous brûlez. Moi, je vais le couper. Je regarde si c'est bien. Bien consolidé. Moi, je vais pas m'en servir de porte-clés, mais c'est plus pour mettre sur ma valisette Diamond Painting. Voilà, je coupe. Voilà, j'aurais plus qu'à brûler ceci, et alors voilà, ça vous donne un petit porte-clés. Oui, il faut que je coupe ici aussi. Voilà, ça sera pour brûler. Voilà. Où est-ce que la caméra? Voilà. Je ne sais pas comment
Je peux vous montrer. Parce que moi, je le vois à l'endroit. Mais vous, vous le voyez à l'envers. Voilà. Ben, désolé pour ce petit tuto un peu chaotique. Mais bon, c'était la première fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Pour un autre tuto d'un bracelet. J'essaierai de faire un bracelet ce Shambhala. Mais ce sera sûrement avec des autres perles. Vu que j'ai déjà montré avec ces perles-ci, je continuerai avec le fil, mais je me vous montrerai avec des autres perles ou j'essaierai de trouver autre chose à faire avec les fils. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Oh, décidément, je vous dis à la prochaine, à plus tard, et sur ce, portez-vous bien. Bye bye.